attends, ah, il y a un JK avec une cape en or près du chef cuistot. Ah, c'est marrant. Ça, c'est vraiment marrant. Vous savez quoi, les amis, sur l'échelle de la marranterie, je mettrai l'échelle à 10. Là, vraiment. Attends, Dodge, tu pourrais aller check le chef cuistot. Tu pourrais aller check le chef cuistot là, rapidement. Mais là, je suis au chef cuistot en fait. Mais check-le, genre vraiment, fais-lui un petit bisou là. Attends. Ouais, voilà. Ah, voilà, tu. Ah, ouais, là. Ah, ouais, là, tu lui fais un bon bisou là. Ah, ouais. Ah, c'est sympa. Oh, bonjour, monsieur. Yo tout le monde, c'est la production, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau cache-cache sur Minecraft sur la map Bob l'éponge et on est en compagnie de Ludivine, de Dodge, de Spartan, de Tizix et de la créatrice de la map Lilou. Salut tout le monde, comment ça va? On fait tourner les serviettes. Et voilà, il y a un mec qui parle, les autres on ne les entend point, ils sont partis chasser le bisogne. Non mais les gars, vous êtes là ou pas là? Dodge, tu dis pas bonjour aux abonnés? Salut les gars. Attendez, pourquoi il y a un enfant qui hurle dans le fond là? Il se passe quoi? Il y a un meuf. Voilà. C'est ton petit frère. Oh mais Charlie, c'est pas possible. Faut vraiment que Charlie se calme hein, parce que là Charlie c'est... Oh non mais il crie à longueur de journée. C'est... Les amis, un pouce bleu pour Charlie. En tout cas, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu les amis pour le petit frère de Spartan. En tout cas les amis, on se retrouve donc sur la map Bob l'éponge. Map qui est extrêmement stylée. Alors le prochain qui me tape, il quitte la vidéo. Ah, oh bah Dutch, oh bah tiens, ça quitte. Oh, vas-y. Donc la map est vraiment super sympa, vous avez un crusty crab, la maison de Bob, enfin bref, tous les trucs de Bob l'éponge quoi. En fait ce que j'aime bien, comme je disais à Lilou The Vibe d'ailleurs, qui est la créatrice de la map, bravo Lilou, la map est vraiment sympa parce qu'en fait elle réunit tout ce que j'aime bien dans les maps cache-cache. C'est pas trop grand, mais en fait vous voulez vraiment que j'arrête, là je coupe là. Je coupe la vidéo. Tizix au coin, dépêche-toi. Tizix au coin là, tu regardes le coin, dépêche-toi. Allez, on va faire comme à l'école là. Sauf que là, on est en confinement. Allez hop, allez, tu regardes le coin, voilà. Tu bouges plus maintenant. Je parle, tu regardes le mur. Arrêtez, mais c'est pas possible. En fait, vous êtes vraiment une classe de maternelle. Toi aussi au coin là, hop, allez, oust. Au coin là, voilà, allez, tous au coin, toi aussi au coin là, hop. Tu regardes le mur. Toi, tu regardes le mur, dépêche-toi. Dépêche-toi, regarde le mur. Voilà, et il y a seulement Dutch qui est gentil. Hein, Dutch? Un chouchou. Ah oui, ah tu me régales. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et juste avant de commencer la vidéo, j'ai fait ici toutes les personnes qui ont construit la map. D'ailleurs elles auraient dû être là pendant la vidéo, mais on était trop malheureusement pour faire la vidéo. Donc en tout cas on leur fait une grosse dédicace. Voilà, Madcraft, MC Lululuc, Black Denis, Saudonix et Startpool. Voilà, gros merci à eux pour avoir fait la map comme d'habitude. Bon, moi je vais monter là dedans, je sais pas trop ce que c'est comme personnage là. Hop, voilà, nickel, on ferme ça là. Là les amis, vous pouvez voir un jeune JK en fait. En liberté, il est en train de se balader dans la map là, regardez juste là-bas là. Et en fait il est en liberté, parce qu'en fait d'habitude en fait il est enfermé en fait dans le zoo. Mais là on l'a libéré en fait pour cette vidéo, c'est assez marrant. Ouais, dans les bottes du Bob l'éponge, ouais c'est bon j'y suis. Ouais. Ensuite là tu viens là. Ouais. Là regarde, hop. Ah oui, tu cliques là-dessus là, ah ouais. Donc en fait tu vas en fait dans les dents du Bob l'éponge. Genre là où c'est un peu, là où c'est un peu sa bouche quoi. N'oublie pas de refermer hein. Ah oui ouais, ouais, refermer les dents du Bob l'éponge ouais. Ok ouais. Tu vois, hop là, et hop et voilà. Ah oui, et après là du coup t'es sur le Bob l'éponge. Ah ouais. Et franchement les gars, cette fachette là, vraiment les gars, elle est stylée. Franchement, tout en penses quoi du coup de Bob l'éponge? On a une belle vue hein, du Bob l'éponge. Hein. Ah ouais, franchement, on a une belle vue depuis Bob l'éponge, ça fait vraiment plaisir. Y a Patrick là-bas là. Ah oui, salut mec, comment tu vas? Oh, ah, c'est qui ça? C'est un nouvel arrivant. Je suis allé aux toilettes puis je me suis fait agresser par mon frère. Son frère, c'est un tigre, il attendait devant la porte des toilettes. Allez, vas-y, viens là derrière, gueule. Je t'attends moi. En tout, continuons notre petite balade. Ah, continuons notre petite balade à Bikini Bottom. Vas-y, je te suis, la petite balade. Alors, fin de chemin. Ici, on peut voir une magnifique maison. Ah, une magnifique maison. Alors, les amis, franchement, c'est vrai que la déco ici est assez sympa. Un petit aquarium qui est vraiment sympa. Télé, canapé. Franchement, vraiment, c'est vraiment le genre de map qui fait vraiment plaisir, en fait. Genre, vraiment, on rentre dans la maison, on se dit, mais là, la maison... Je vais là. Super, le JK qui est en dessous. Oh, il m'a fait peur, Spartan. Oh là là, magnifique. Ah, le petit orgue aussi, hein, ça j'ai pas vu, mais c'est vraiment sympa ça. Hein. C'est vrai qu'il y a vraiment de la recherche. Il y a vraiment. Non, c'est fou de leur gueule. C'est... Ah, ok, en fait, il n'y a pas de bord ici. D'accord, il n'y avait pas de bord, j'avais pas vu. Oh, il y a un mec là. Oh. Ah. Oula, pourquoi il y a des bruits de chiens là? Il y a un mec qui aboie. Dutch, va à l'homme préhistorique. Dutch, mon pote. Viens à l'homme préhistorique, dépêche-toi. Viens à l'homme préhistorique. C'est où la sortie? C'est où qu'on rentre? Ah c'est bon, c'est là, c'est dans la patte. Dans la patte droite du chien. Monte dans la patte du chien. Attends, je ferme la porte là, attention. Hop là, voilà, petite surprise là. Petite surprise pour avoir fermé la porte. Hop là. Ouvre, ouvre. Montez sur la tête, sortez de la bouche, montez sur la tête. Nicole, ouvre. What the fuck? Nicole, ouvre. Ouvre, Nicole, ouvre. Nicole. Ouvre. Tu vas pas mourir, Dutch, tu vas pas mourir. La France est entre tes mains. J'ai reçu.
J'ai vu le cours. C'est quoi ça? On dirait moi quand ma prof d'anglais me demande si j'ai reçu le travail. Non, j'ai rien reçu, madame. Ah, les 3 Go devant le Krusty Krab, ça va là? Ça va chercher la recette là? Vous cherchez une recette pour le Krusty Krab? Ah. Mais attendez, si vous voulez, je peux vous la donner la recette, hein, y a pas de soucis. Hein. Si vous voulez, vraiment, je peux vous la donner. Ah ouais, vous voulez la recette du Krusty Krab? Patrick là. Il va bien, franchement, Patrick. Voilà, tu lui sers un peu la pince là. Tu lui sers un peu la pince. Oh damn! Du futur là. Ouais, c'est quoi ce skin? Attendez les gars, vous savez quoi? Nous on va essayer de partir, mais genre d'abord on va juste descendre là pour commencer, ouais, histoire d'avoir un petit. Ah, oh, y'a une cachette! Oh, j'ai une de ces cachettes! Oh, j'ai une bonne cachette là, franchement, celui qui a fait cette cachette, franchement, respect. C'est sympa dans les toilettes, mec. Hein. Dans les toilettes? Hein, quoi? Non, je suis pas dans les toilettes. non, je suis pas dans les toilettes. Hein, quoi, le Krusty Krab? Non, je suis pas du tout. Je suis pas du tout. Alors, déjà, moi, je vois un JK là. Ah, mais dans la serre, le JK, très sympa le JK dans la serre. Enfin, dans la grosse bulle de verre. Et il y a aussi un JK qui est à côté, sur le sable. Ouais, JK jaune. Oh, je me suis fait taper là, yo. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Je suis. Comment ça, Ludivine, qu'est-ce que je fais là-haut? Je suis très bien, moi. T'es complètement malade, je suis pas. Non, par contre. Ok, les gars, je vous dis ma position. Je suis au Bob l'éponge au jaune. Allez-y, là, vous pouvez tous venir. Franchement, ça, comme ça, moi, je vous fais des beaux brides. Il est derrière la maison de Sunday, il fait le tour. Hein, la maison de Sunday? Regarde en haut. Mais non, je suis au Bob l'éponge. Mais je suis au Bob l'éponge, les potes. Vous êtes en train de vous tromper là, vous faites une grave erreur. Je suis au Bob l'éponge. Au Bob l'éponge jaune. Vous savez, celui qui est carré un peu là. Genre, le mec, c'est une éponge, il s'appelle Bob non, et il y a. Pas Bob l'éponge. C'est un mec, c'est une éponge, il s'appelle Bob et il vit sous la mer. C'est lui, c'est Bob l'éponge. Vous connaissez pas? Et il est où, les gars, s'il vous plaît? Je sais pas, je le colis là. Je sais pas, je le trouve pas. Et bon, mais je il me semble bien l'avoir vu ici, mais je sais pas. C'est bon, 2 Go, hyper. C'est bon, 2 Go. Bon, bah écoutez, moi je suis plutôt bien là où je suis. Hein. Là, voilà, les gars, en tout cas, salut tout le monde, c'est Laser, j'espère que vous allez bien, les amis. Donc là, on se retrouve pour une petite vidéo, les gars, sur l'ananas, voilà. En fait, je vous explique. Alors, l'ananas, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un fruit exotique extrêmement bon avec de la douceur de papaye à l'intérieur. En fait, dès que vous croquez dans l'ananas, en fait, vous avez tellement de sensations. Mais attendez, laissez-moi tranquille, je fais une vidéo. En fait, vous avez tellement de sensations quand vous croquez dans l'ananas. C'est vraiment, les amis, une rentrée. Je savais qu'il était là-bas en plus, c'est chier. Une rentrée de fraîcheur. J'attends en bas, vas-y, allez. Je monte. Ah putain, ah, il est sur les côtés. Là, il rentre dans la cheminée noire, à gauche, sur le côté. La cheminée, ah ouais. Extrémité. Là, il rentre dans la cheminée de nouveau. Chope-le, il est dans la cheminée noire. Ah, sympa, Antoine. Par contre, attends, mais mec, par contre, pourquoi t'as un skin de Michel avec de la barbe qui a 8 ans là? Y'a un problème avec ton skin là, non? T'as une poussée de croissance là? C'est celui qui chante Bob l'éponge au début là. Eh, salut Antoine, mec. Ah, mais c'est Dutch ça en fait. Hop là, petit brain, bam. Ah non, pas du tout, c'est bon, je suis tombé, pardon. Non. Bon, mais reste plus moi. Allez, il reste plus que toi, effectivement. Le qui est sur une bulle, j'ai pas compris comment il a fait pour monter. Il est où? Ah oui, là-bas. Mais il est passé par la maison de Carlos, je pense. La maison de Carlos. Faut monter tout en haut sur le toit. Et après, tu sautes dessus sur la bulle. Attendez-le, là, il est à la bulle devant la maison de Carlos. Enfin, genre, il y a un mur et il est sur la maison de Carlos, quoi. En gros. Ouais, faut attendre un peu. Il est là. Il est descendu. Il est dans la maison de Carlos. Ah, il est descendu. Mais c'est pas très. What? Touché. J'arrive. Oh, magnifique, mec. Mais pour moi, attends, on est un peu cramé, non? Ah, y'a. Oh, mec, t'es malade, on peut. Regarde. Viens voilà, mec. Ouais. Ah, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut aller tout en haut là? Ah, c'est magnifique. Et y avait pas un truc de caché tout en haut? Oh putain, salut les gars, franchement. Oh les gars, comment ça va? Les gars, venez. Vas-y, venez, on tente. Venez les potes, venez. Les gars, on le tente, venez. Venez avec nous, les gars, là. Attends, on fait comment? Tu m'avais expliqué qu'on faisait comment pour rentrer dans Carlo là? Mais non, mais gros, dis pas Carlo, mais t'es sérieux? Comment tu faisais pour monter? Mais non, mais mec. Mais en fait, le problème en fait ici, c'est que ouais, on va. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, t'es pas voir, on voit rien. Bah non, on est à la maison de Carlo, hein. Ah ouais, mais c'est trop cheat. Y'a besoin. Ouais, on est à la maison de Carlo là. Moi j'ai cru voir Lilou, attends. Aïe, les gars. Erreur du pont, erreur du pont. Oh, t'es con. Fermez les trappes. Non, en arrière. Ok, alors les gars, un conseil, les gars, courez parce que je viens de voir un JK devant la maison de Carlos. On est là, on est dans l'aquarium. On est en train de... Ils sont dans l'aquarium, dans la maison de Carlos, petit spoil, les amis. Oui. Tout en haut, normalement. Non, il a dû se mettre sur un côté. Regardez sur les côtés. Vraiment important sur les côtés. Oh, t'es un escroc, mec. Il est là, c'est bon. T'es un génie.
Qui ça, moi? En fait, il était là. Mais oui, t'as donné la bonne info, en fait, t'as donné grave la bonne info. Bah oui, c'était sûr que t'étais là. Touché. Attends, le mec, il a 5 mecs sur lui, il arrive encore à brain, quoi, c'est incroyable. Ce mec, il est beaucoup trop fort. What the fuck. Ok, j'aime bien ces moments de blanc là où genre y'a rien qui se passe, y'a juste un vieux mec avec son skin là, t'as fait rire. Les potes, j'ai amené des bonnes chips au fromage, des jujubes. C'est incroyable là. Aïe, incroyable. Poisson là, franchement, c'est super. Incroyable, petit poisson et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai même commandé la zone, normalement il arrive dans pas longtemps. Mais en fait, tu sais que depuis avant, je rentre dans des maisons pour trouver une télé avec un fauteuil. Mais en fait, les mecs sont pas du tout sur un fauteuil là, j'ai l'impression. Mais à table, je Si, mec, franchement, il peut manger là. Tellement, mec. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? J'ai l'impression que la map elle a bugué. Ah, mais c'est pour la pizza, oui, bien sûr. Ils sont en train de se. Super là. Vas-y, bah attends, on se met toute sa table, les gars. Pepperoni fromage. Mais qu'est-ce qui se passe? Venez à table, là. Vas-y, mais que dis. Ça va les gars, super. Ça va, ah ouais, mais franchement, vas-y, mec, ça, ça, vous avez pris quoi comme pizza là? Moi j'ai pris peut-être 4 euros. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah moi j'ai pris une margarita là. Allez, toi c'est touché, voilà, merci. Margarita. Je viens de toucher quelqu'un. Je viens de toucher Loulou le sang, voilà, par contre. Mec, est-ce que je commande un petit kebab là? Moi, ouais, vas-y, vas-y. Les gars, vraiment, je vous jure, à partir du moment où je vais vous trouver, ça va partir en cacahuète. Tellement d'indices, c'est un truc de. Je sais pas comment tu fais pour pas nous trouver en fait, genre là c'est scandaleux, c'est honteux. C'est un niveau de scandale, les gars. Honteux. Mais mec, je te jure que j'ai tout fouillé, c'est mec. C'est honteux à un point. Je te jure que j'ai tout fouillé. Si ça continue, je sens que je vais taper sur la table. Tu verras sur la vidéo, vraiment j'ai tout fouillé là, c'est une honte hein. Mais vraiment j'ai tout fouillé. Sauf le seul endroit où on est. Ah, mais la maison de Bob l'éponge, j'ai pas fouillé. Les gars, restons à table, y'a pas de soucis. Restons là, restons. J'ai gars, tout fouillé sauf la maison de Bob. Salut les gars, ça va? C'est le livreur. Les gars, c'est le livreur. Mais les gars, revenez, c'est le livreur. Wow, les gars. Bonjour, attendez, je ressors, je vous ai effrayé, je suis désolé. Ok, attention. Chut, on écoute. Oui, entrez. Ah, bonjour monsieur, bonjour, ah, oui. C'est le livreur, super. Ah, c'est vous qui avez pris peur avant, hein. Alors toi, mon pote, tu vas venir là. Non, tu vas te calmer tout de suite. Tu vas te calmer tout de suite. Non, y'a pas de baston, on va calmer la situation. Donc toi, là, écoute-moi bien, toi t'as intérêt de fuir très vite parce que ton pote, je vais le toucher, dépêche-toi. Tire-toi vite. Allez, tire-toi, dépêche-toi. Oh putain, alors toi, attends, t'es fini, toi. Toi, t'es fini, touché, voilà. Et toi, dépêche-toi, casse-toi, je t'ai dit. Rentre chez toi, confinement. Rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous faites là? Non mais oh, pas de rassemblement à moins de 1 mètre, monsieur. Pas possible, ça. Les mecs font des barbecues alors qu'on est en confinement. Non mais ça va. Oh là, Artistic Galaxy, ton action, tu sais quoi, tu vas la regretter. M'humilier devant tous les abonnés comme ça, c'est... Oula. Alors là, on arrête de... Oh Mathieu, comment ça va? Oh Mathieu, tu commences à là d'un coup là. Ah, c'est marrant, tu sors de Krusty Krab. Tu veux un Krusty Pat ou quoi là? Hop là, oh, le petit touché. Mais non, l'esquive, j'ai fait passer, mais malheureusement, c'est cool. Par contre, les gars, on en parle, les gars, juste des roues du bus. C'est quoi ces roues? C'est un... On dirait le truc pour couper la pizza, là, le truc rond, là, la petite moulette que tu utilises pour couper la pizza. Ah, bonjour monsieur, c'est le livreur, ça va? Alors comme ça... Oh mais... Ah, le livreur, il est là. Le livreur, il est arrivé dans la méduse carrément, frérot. Tu te rends compte comment il fait des efforts, le livreur, pour venir livrer alors que le mec, il est là, il se fout de moi. Tu vas me toucher, mec. Je veux pas te toucher, je veux te passer ton chicken nugget que t'as commandé il y a 3 jours, là. C'est une honte, il est froid. Une pizza 4 fromages. Il est où, il est dans le Bob l'éponge. Il est dans le vieux Bob l'éponge cramé, là, qui est dégueulasse, là. Il est passé où? Charlie, il est en bas. Il est passé où? Au pied du Bob l'éponge. Ah, il est passé par là, ok. Il se dirige vers le Krusty Krab intercepté. Voilà. Regardez près du Bob l'éponge, il y a Dutch. Pourquoi il a une épée, l'autre cinglé? Il est malade. Ah ouais, il y a Dutch, les gars, sur la bulle. Putain, il y a Dutch. Oh my god. What? Il y a Dutch sur une bulle. Attendez. Mais c'est incroyable ça. Eh hey, Dutch, regarde. What? Mais il fait quoi? Mais comme on est tous sur lui. Oh, comme on est tous sur lui, c'est incroyable. Oh, il nous brain. Oh, le bâtard. Eh bah non, et voilà. Mais c'est vraiment Dutch ou c'est Ludivine? Attendez, je comprends pas. Ah non, c'était Ludivine. Oui. Incroyable. Elle a les bras levés.
Ouais. Non, non, mais tu es pas. Mais... c'est quoi ce bordel? Pourquoi y'a. Pourquoi y'a un mec qui hurle rend mes chips à un giga? Genre, c'est quoi ce bordel? Vous êtes pas bien ici, hein. Rends-moi mes chips! Il est tombé. Le dernier sur Garly, il compte. Oh non! C'est pas où? Tout en haut, tout en haut, tout en haut. En mode par où, en mode par où? En mode par où? Aïe, 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 ça y est, moi je suis. On peut pas monter, frérot! À quoi par là? Oh, tizik de la sauce! Oh, tizik de la sauce! Oh oui! Allez, 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 allez! Tizik de la sauce taille! Mais non! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! C'est Derek qui va compter! C'est Derek qui va compter! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Tu vas bien, mon pote, viens, tu vas bien! Viens, allez, venez les gars, on va commander un burger! On va commander un burger, les gars! Les gars, moi j'ai vraiment faim! Alors, les gars, je vous ramène à ma maison! Pourquoi, les gars, vous jugez pas ma maison, promis! Hein. Genre, vraiment, vous jugez pas! Ok? Ouais, on juge pas. Ok, ah, les gars, je vais vous montrer. Tu veux parler, t'inquiète pas. Ouais. Patrick. Ton pote, hein, quoi. Non, en plus, c'est ton pote. Oui, Patrick. Patrick. Non, ouais. Pote, ouais. Ah, la maison de Patrick. Mais non, pas la maison de Patrick, mec. Bon, les gars, on s'assoit, les gars, du coup. Alors, Dutch, tu veux pas mettre un petit programme là à la télé? Attends, c'est quoi ce bordel? Attends, c'est. Oula, attends, il se passe quoi? L'imposteur là avec moi là. Non, mais l'imposteur, c'est celui qui a les bras levés. Non, pardon, monsieur! Le mec, il a une épée aussi, s'il vous plaît, mais bon, hein. Il se croit où là? Non, pardon, mais non, mais mec, mais t'es pas drôle! Putain, les gars, mais chopez là, c'est une honte! C'est une honte, touche! C'est bon, j'ai eu! C'est quoi ce jeu? Je suis en train de jouer avec des mecs qui courent après une personne en criant le barbe! Oh, il y a un diamant! La richesse! Un diamant! Oh, le diamant, une démo, Spartan, excuse-moi, on m'a racketté, j'ai plus d'habits. T'aurais pas un truc pour moi là? On dirait grave, monsieur, qui pose sa femme, tu vois. Tiens, je te passe, tiens, je te passe 2 euros. Je te passe 2 euros. Mais qui arrive? Patrick. Oh, j'ai vu un petit. Je vais vous défendre, des potes, Ah, ça part des habits là. Direct, franchement, des habits. Ah, et des habits, parfait, je vais pouvoir m'équiper. Hop, je m'équipe là. Quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Oula. Ah mais en fait y'a le JK, très bien, je pars, je cours, je me casse. Moi je te PVP sans épée, moi. Je pars, je fuis, je jette mes habits. Pourquoi y'a personne, les amis, dans le Krusty Krab? Moi je voulais manger un Krusty Krab, y'a personne. Je suis sûr. Parce qu'on est en confinement et du coup... Attendez, je vais voir le chef cuistot. Ah oui, il est là avec son petit plastron jaune, chef cuistot, oui. J'arrive. Chef cuistot, je voulais savoir, pourquoi est-ce qu'il y a personne en fait au Krusty Krab là? C'est quand même bizarre. Ah, parce qu'il y a le confinement. Ah, d'accord, on est au confinement. Ah ouais. Attendez, chef Cuisto, pourquoi est-ce qu'il y a un JK avec une épée qui vient de passer devant vous là? C'est bizarre ça, chef Cuisto. What? Ah attends, il y a un JK avec une cape en or près du chef Cuisto. Ah c'est marrant. Ça c'est vraiment marrant. Vous savez quoi les amis, sur l'échelle de la marrantrie, je mettrai l'échelle à 10, là, vraiment. Attends Dutch, tu pourrais aller check le chef Cuisto? Tu pourrais aller check le chef Cuisto là rapidement? Mais là je suis au chef Cuisto en fait. Mais check-le, genre vraiment fais-lui un petit bisou là. Attends. Ouais, voilà. Ah voilà, tu. Ah voilà. Ah ouais, là tu lui fais un bon bisou là. Ah ouais. Ah c'est sympa. Oh, bonjour monsieur. En fait, je fais les carottes. Bien joué. Salut les gars, ça va? C'est moi, Coco, ça va? Voilà, merci à tous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. On se donne rendez-vous très bientôt. Ok, bon bah voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cache-cache. Ciao ciao les amis, brou brou babou. Les chips.